Pourquoi un team pour Provence? Tout d'abord parce que ça a coulé de source, ça fait plusieurs années que le comité forme des jeunes. Et ben, on s'est rendu compte les 2-3 dernières années qu'on était en manque de seniors, qu'on n'arrivait pas à les garder super longtemps. Ça fait plusieurs années que ça manquait véritablement. Pour permettre aux seniors d'avoir un appui pour l'entraînement, un peu plus poussé que pour le comité, de faire vraiment un groupe soudé. Et maintenant, il s'agit de s'occuper des seniors parce que c'est bien de former, mais il faut aussi soutenir et pouvoir aider nos seniors à perfer, à pouvoir se sélectionner en équipe de France, se sélectionner sur les courses internationales, parce que c'est là que sont jugées et leurs performances et surtout leur niveau général de ski. Pour nous, on est 4 seniors dans le team. Coralie Mug, elle est chef de file du ski de fond en Alpes-Provence depuis plusieurs années maintenant. Elle est membre des équipes de France féminine. Jérémy Milreau, qui se concentrera plus sur les longues distances, il a aussi l'âge de Coraline et fait partie maintenant des figures presque historiques du comité. Et puis la jeune génération qui pointe, qui sont en équipe de France de moins de 23, pour l'instant sous la houlette de Vincent Vitoz. Il s'agit de Paul Goalabré, du Kera, et puis de Tao Kemere, de Gabayard, qui sont eux les anciens juniors qui ont fait leur classe sur le circuit national international et qui maintenant pointent le bout de leur nez sur le circuit international senior. Au départ, on était 3 ou 4 seniors et ben, je me suis retrouvé seul avant que Tao et Paul arrivent parce que tous les autres en fait ils sont partis dans d'autres comités. Ils avaient un team qui marchait, qui leur permettait de s'entraîner ensemble. Ça permettait de créer une émulation, etc. Et c'est ce qui manquait dans le comité de Provence. Et je pense que ça va permettre d'augmenter le niveau général du comité. Et je pense que c'est vraiment un plus pour Tao et Paul maintenant qui sont seniors. Et puis bien sûr pour les prochains. Quoi. Allez Paul, allez, 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 allez. On a voulu créer cette structure pour permettre aux jeunes d'avoir envie de continuer après les années juniors. C'est les coureurs qui s'occupent du team. C'est pour eux que c'est créé, c'est aussi par eux. Bien sûr, les coachs du comité qui sont très présents pour nous aider, pour que ce soit le fartage ou même l'administratif. Et après, on a la structure de ce qu'ils font comme appui administratif. C'est en gros un partenariat entre le comité, les athlètes, et puis bien sûr c'est tout est fait par eux, ces seniors, eux qui sont le cœur du team. Enfin, le team, c'est le pendant du comité, mais au niveau des seniors. Voilà. Après l'objectif, ça reste bien entendu le circuit international pour ce team, ça sera les Coupes d'Europe plus tard. Les objectifs du team, je pense que c'est clairement faire en sorte que les meilleurs seniors d'Alpes-Provence arrivent à être performants au niveau international. Et puis, pourquoi pas sur le circuit longue distance.